Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de COVID-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers élèves. Eh bien, je suis M. Mocho Yaoui. Je suis professeur d'histoire, géographie et ECM au lycée Bagida Plantation. Je vais m'entretenir exceptionnellement avec les élèves de la classe de 3e, puisque c'est à eux que j'ai élaboré cette révision. Donc, le cours va se faire sous forme de révision. Je vous prie d'avoir avec vous vos cahiers pour pouvoir prendre notes et de temps en temps vérifier. Donc, sans trop tarder, il s'agit d'un cours de ECM, donc éducation civique et morale. Et comme vous le savez, ce n'est pas seulement aux élèves de la classe de 3e, parce que l'ECM, c'est comme une discipline transversale, c'est valable pour toutes les classes. Et je vais encore au-delà pour dire, pour appeler les auditeurs et les auditrices de nous suivre parce que c'est très important pour façonner les habitudes. Eh bien, la leçon de ce jour qui est programmée pour les élèves de la classe de 3e est intitulée « La démocratie à l'école ». Qu'est-ce que vous allez retenir? Quels sont les points clés à retenir de cette leçon? Donc, nous allons axer notre révision autour de deux points. Donc, à la fin de cette révision, vous devez être en mesure d'énumérer les principes de la démocratie. Quand on parle de principes, il s'agit des caractéristiques de la démocratie à l'école. Le second point que nous allons aborder, qui est aussi très important, que vous ne devez pas négliger, il s'agit de distinguer les types de personnel et leur rôle dans un établissement scolaire. Mais nous ne pouvons pas aborder ce cours sans nous rafraîchir la mémoire. Donc, raison pour laquelle il y a quelques notions à revisiter, telles que la démocratie, l'école, le règlement intérieur, les droits et devoirs des enfants ou des élèves. Si nous prenons la démocratie, on va faire tout simple. On ne va pas se verser dans la polémique, mais on va faire tout simple. Nous allons aller à l'origine du mot. Donc, dans le grec, la démocratie est décomposée en deux. Il y a démos qui veut dire peuple et kratos qui veut dire pouvoir. Donc, si nous lions les deux mots, ça nous donne quoi? Ça nous donne une petite définition, à savoir le pouvoir du peuple. Qui parle du pouvoir du peuple parle également de la souveraineté du peuple. Et donc, nous avons une définition générique qui dit encore « pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple ». J'espère que vous connaissez bien cette définition. Si ça arrivait, même si vous donnez la première définition que je viens de donner, le pouvoir du peuple, on vous accorde le point. Deuxième notion, l'école. C'est quoi une école? Eh bien, c'est un lieu, un cadre d'études, d'apprentissage, d'éducation. Et ce lieu-là, vous allez souvent voir les élèves, ils viennent et les professeurs sont là pour leur dispenser des cours. Il y a également le règlement intérieur. Vous le savez bien, même à la maison, nous avons des lois. À l'école aussi, il y a des lois. Il y a un règlement sur lequel l'école fonctionne. Et le règlement intérieur, la définition la plus simple, c'est la loi fondamentale qui définit les règles de vie de l'établissement. J'espère bien que vous me suivez. Bien, on va aussi aborder les devoirs, les droits et devoirs des enfants ou d'un élève.
Ce point-là est très important pour moi parce que très souvent, qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons souvent nos droits, sans avoir assumé au préalable nos devoirs. Donc, raison pour laquelle j'invite vous qui nous suivez sur la télévision, il y a une bande dessinée qui s'affiche. Sur la bande dessinée, il y a le numéro 1, ici c'est écrit « Le droit d'être respecté ». Et tous les enfants également ont le droit d'être respectés. Ce n'est pas parce qu'ils sont des enfants qu'on a le droit de leur faire ce qu'on veut. Le deuxième, il y a le droit d'être protégé. Et le troisième point ici, c'est le droit d'être différent. Il y a un bonhomme assis dans un fauteuil roulant entouré de ses amis. C'est vrai, lui, il souffre d'handicap physique. Et pourtant, il doit être différent. Il est différent parce qu'il n'a pas les mêmes aptitudes que les autres. Donc, lui aussi doit être accepté également. Donc, le 4 ici, le droit de donner son avis, c'est très important. Donc, la liberté d'expression. Donc, donner l'opportunité aux enfants de s'exprimer, de donner leur opinion et ça va leur faire du bien. Le droit de jouer en paix. Oui, les enfants ont besoin de jouer parce que ça apporte un plus à leur épanouissement. Mais en cette période de coronavirus, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé parce que vous risquez de vous contaminer. Bien, au point 6, nous avons le droit de manger avec ses amis. Vous êtes libre. Raison pour laquelle même à l'école, des fois pendant la récréation, il y a certains qui s'associent pour manger. Et là, je remercie certains élèves qui appellent leurs camarades qui n'ont pas les moyens et ils se partagent les plats. Bien, il y a une autre bande. Là, on a écrit en haut ici, tu as le droit à une nationalité. C'est très important. Mais avant d'avoir la nationalité, nous avons besoin de quoi ? D'un papier que nous appelons acte de naissance. Et c'est très important pour nous. Il faudrait que les parents ne négligent pas ce point. J'interpelle souvent les parents, ne soyez pas frustrés parce que ce sont des paramètres que certains ignorent. Et après, ça cause du tort à l'enfant. Et ici également, droit à l'éducation, vous le savez, raison pour laquelle vous êtes inscrit dans des écoles pour étudier. Vous avez également le droit au repos, au loisir, c'est déjà dit. Également, tu as le droit d'être protégé, déjà dit. Tu as le droit de dire non et de t'expliquer. C'est très important. N'imposons pas tout dru nos décisions aux enfants. Donnez-leur l'opportunité d'exprimer leur choix et de s'expliquer. C'est très important. Et là, il y a une autre image qui s'affiche à l'écran pour ceux qui nous suivent. Mais ceux qui nous suivent sur les radios, vous n'avez pas cette chance-là. Mais quand même, je vais faire un petit commentaire. La partie qui m'intéresse, c'est les devoirs de l'enfant. Eh bien, parmi ces devoirs, nous avons bien travailler à l'école. C'est très important. Si vous le faites, les parents sont contents et vos droits, vous les aurez sans même les réclamer. C'est très important d'être entouré. Vous avez le droit d'être entouré. Comme vous le voyez en bas ici, c'est aussi un autre point qui m'intéresse parce que ça touche l'environnement. Je vais insister un peu là-dessus. Donc, nous avons, ou du moins vous avez le devoir de protéger votre environnement. Et vous allez constater qu'il y a certains, pendant la récréation, quand ils achètent des beignets et autres, ils amènent ça, ils viennent manger en classe et ils déposent les sachets et tout ça là. Ce n'est pas du tout bon. Donc, en tant qu'élève, ce sont des bonnes manières que vous devez intégrer pour être un bon citoyen afin de pouvoir apporter un plus au développement de la nation. Maintenant, pour aborder notre révision, nous allons nous servir de ce test-là qui s'affiche à l'écran. Je vais vous le lire. Le test a pour titre « Principes et objectifs de l'école togolaise ».
Le texte dit ceci. Éduquez les jeunes, quels qu'ils soient, en donnant à chacun une égalité de chance, l'accès aux libertés, la justice, ainsi qu'aux responsabilités individuelles et collectives. Dans le concret, permettre à tous les enfants des deux sexes de poursuivre leurs études indépendamment de leurs conditions sociales. Donc, c'est un petit extrait du précis de législation et d'administration scolaire, page 10. Donc, pour les professionnels, ils en savent quelque chose. Eh bien, le test que nous venons de dérouler, j'ai mis en exergue un certain nombre de mots qui sont en rouge. Et ces mots-là touchent un peu aux éléments que nous voulons aborder, ou du moins que fait transparaître la démocratie. Maintenant, je vais vous poser une question toute simple, parce qu'on a lu le test ensemble. D'après le test, y a-t-il la démocratie à l'école? Oui, il y a la démocratie à l'école. Mais comment la reconnaît-on? Donc, quels sont alors les principes de la démocratie à l'école? J'espère que ceux qui nous suivent à la radio arrivent à noter ce que je dis. Nous allons aborder le premier point que j'ai énuméré plus haut, les principes de la démocratie à l'école. Autrement dit, les caractéristiques de la démocratie à l'école. L'autre premier élément qui s'affiche ici, c'est écrit « Égalité de chance à tous les élèves ». Donc, l'un des principes, c'est « Égalité de chance à tous les élèves ». Je m'explique un peu. Quand on parle de l'égalité, ça se voit souvent pendant les compositions et les devoirs. Vous allez remarquer que quand vous êtes en évaluation, il y a un surveillant, un ou deux, voire plus, qui vous surveille. C'est pour permettre à tout le monde de composer dans des mêmes conditions. Raison pour laquelle on sanctionne sévèrement ceux qui se permettent de tricher. Deuxième principe, égalité de tous les élèves devant la loi. Donc, tous les élèves sont jugés sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on en dit que nous sommes égaux devant la loi. Il y a également l'accès aux libertés et aux responsabilités individuelles et collectives. Vous avez la liberté à l'école. Avoir peut-être une chorale, il suffit de faire la demande auprès de la direction, on vous l'autorise. Un autre point, tous les élèves sont acceptés à l'école sans aucune distinction de sexe, de classe sociale, de religion, de race et d'ethnie. C'est aussi un point très important. Si vous voulez, je peux vous le répéter. Tous les élèves sont acceptés à l'école sans aucune distinction de sexe, de classe sociale, de religion, de race ou d'ethnie. Un autre point, la liberté d'expression. Il y a également la liberté d'expression et là également, quand vous êtes en classe et que le professeur vient dispenser un cours, le professeur n'empêche personne de poser des questions pour avoir des éclaircissements. Là, on respecte votre liberté d'expression. Vous avez le droit, le plein droit, de poser des questions et qu'on vous donne des réponses adéquates. Un autre point, la laïcité. Bon, il y a certains qui ont du mal à comprendre ce mot. Quand on parle de laïcité, c'est dire qu'à l'école, on n'a pas le droit d'afficher sa religion parce que lorsque vous l'affichez, ça peut frustrer d'autres élèves. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient à l'école et que je n'ai rien contre personne, hein, il porte le voile, je parle d'une fille, supposons qu'elle est musulmane, mais les autres qui ne sont pas musulmans, du tout, c'est comme elle est en train de les provoquer. De la même manière, ceux qui, par exemple, vont porter la croix également peuvent frustrer les musulmans.
Donc, du coup, on conseille plutôt d'avoir la religion dans votre cœur plutôt que de l'afficher physiquement à l'école. Un autre point, il y a le règlement intérieur ainsi que la participation des élèves à son élaboration. Le règlement intérieur, ce ne sont pas les enseignants ou bien les directeurs qui se lèvent et l'élaborent tout seuls. On le fait en collaboration avec les élèves. Là également, ça prouve qu'à l'école, on n'impose rien. On parle de la démocratie participative. Et le règlement intérieur, comme on l'avait défini, c'est la loi qui c'est constitué des principes ou bien des règles qui assurent le bon fonctionnement de l'établissement. Un autre point, il y a l'élection des membres de comités de classe et de l'établissement. Là également, on vous donne le choix, la liberté d'élire vos responsables. Vous voyez que c'est la démocratie, c'est ce que font la plupart des pays démocrates. Ils organisent des élections pour renouveler leurs dirigeants. Nous le faisons également en classe. Un autre point, l'association des élèves à l'organisation des activités culturelles, par exemple. On associe les élèves quand il y a un événement, on associe les élèves pour qu'eux aussi donnent leur point de vue. Mais je vais aller encore plus loin en disant que les parents aussi, des fois, sont associés. Donc, vous voyez, vous voyez comment à l'école, la démocratie touche tout le monde. On associe les élèves, on associe les parents. Nous venons de parler des principes de la démocratie. On vient de terminer avec notre premier point de révision. Et là, je vais vous prier au moins de retenir au moins 5 voire 6. Et là, quand la question vient, vous avez des arguments valables pour vous défendre. Maintenant, nous allons aborder le deuxième volet. Quels sont les différents types de personnel dans un établissement scolaire? Donc, à cette question, voilà la réponse que j'attends. Mais avant de répondre à cette question, observons un peu ce schéma. Ceux qui nous suivent à la radio n'ont pas la chance de voir le schéma, vous m'excusez, mais je vais vous le commenter. Donc, c'est un schéma, il y a un cercle colorié en rose. On a écrit dans le proviseur, le directeur, le censeur, le directeur adjoint, le surveillant général, le ou la secrétaire. Dans l'autre cercle à côté, on a écrit professeur 2e, d'histoire géo, d'anglais, de maths, de sciences physiques, de PS, de V, allemand, etc. Et en haut de chaque cercle, on a écrit ici le personnel administratif. Le personnel administratif, ça concerne le premier cercle qui comporte le proviseur, le directeur, etc. Et pour vous aider à ce niveau, vous allez voir que la plupart des membres que je viens d'énumérer, le proviseur, le censeur, le suivant, tout ça là, vous les voyez, ils sont dans leur bureau. Ils ont souvent un petit bureau. Et c'est ça qui nous fait dire qu'ils sont de personnel administratif. Ils sont là pour administrer. Alors que de l'autre côté, les professeurs, vous les voyez, ils viennent, c'est pour dispenser des cours. Quand bien même, ils sont tous des enseignants. Et donc, en voyant le schéma, on peut aisément distinguer les types de personnel qu'on trouve dans un établissement scolaire. Eh bien, le premier, nous avons le personnel administratif et le personnel enseignant. Donc, nous dégageons le personnel administratif, le personnel enseignant, comme étant des types de personnel qu'on trouve dans un établissement scolaire. Maintenant, abordons maintenant leur rôle, leur attribution. Si nous prenons le personnel administratif, comme le nom l'indique, ils sont là pour administrer, ce sont des administrateurs. Mais nous allons prendre chaque membre et on va essayer de dire un peu ce qu'il fait.
Prenons le directeur ou le proviseur. Quel est son rôle ou son attribution? Il assure la gestion et la bonne marche de l'établissement. Voilà. Il reçoit le courrier, c'est-à-dire les notes circulaires, tout ça là, c'est lui qui s'en charge. Il y a également le censeur ou le directeur adjoint. Que fait-il? Il veille au bon déroulement des activités pédagogiques. Il est également le proviseur ou le directeur dans ses tâches administratives. Ça veut dire que si le proviseur ou le directeur n'est pas là, il est censé d'assumer l'intérim. Nous avons le surveillant général. Le surveillant général, son rôle, il assure la discipline au sein de l'établissement. Raison pour laquelle, si vous faites quelque chose qui est contraire à la loi ou au règlement intérieur, on vous envoie tout de suite d'aller voir le surveillant. Donc, il est là pour surveiller et il sanctionne également. Il donne des punitions. Le ou la secrétaire. Donc, d'habitude, vous les voyez avant de voir le directeur, vous voyez leur bureau, ils sont là. Leur tâche, c'est de saisir les devoirs, les bulletins, les courriers administratifs. Et ils accueillent bien évidemment aussi les parents qui viennent voir le proviseur pour des questions les concernant. L'économe, c'est vrai. Bon, il joue le rôle de gestionnaire, si on peut, je peux m'exprimer ainsi. Il est chargé de la perception des frais scolaires et exécute les ordonnances de dépenses. Donc, il exécute parce que le proviseur, c'est lui qui s'en charge, mais le proviseur lui donne l'autorisation maintenant d'exécuter les dépenses. Et là, il y a certains établissements qui n'ont pas d'économe, et c'est le proviseur ou le directeur qui assume également cette responsabilité. Le bibliothécaire, comme le nom l'indique, il gère la bibliothèque si l'établissement en a, ou bien les documents scolaires dont dispose l'établissement. Et là, s'il n'y a pas de bibliothécaire, le censeur joue ce rôle. Et s'il n'y a pas de si c'est un collège, le proviseur, le surveillant général assume également cette responsabilité. L'infirmier, dans certaines écoles, il y a une petite infirmerie. Et là, quand un élève a des malaises, on l'amène directement là-bas pour qu'il reçoive les premiers soins. Nous venons de voir les différents membres du personnel administratif avec leurs attributions, avec leur rôle. Maintenant, nous allons aborder maintenant le rôle du personnel enseignant. Tel que le nom l'indique, personnel enseignant, ils sont là. Leur rôle, c'est quoi? Rôle pédagogique. Et qu'est-ce que j'entends par rôle pédagogique? Ils encadrent, enseignent, éduquent les apprenants. Nous allons aborder un point essentiel qui est très important. On ne peut pas suivre un cours de ECM jusqu'à la fin et ne pas prendre une décision. C'est très important. C'est ici qu'on verra si vraiment la leçon a changé quelque chose en vous. Eh bien, chers élèves, nous allons nous exercer à un petit exercice. Moi, j'ai pris ma décision comme exemple. Pour cette leçon, je décide ceci. De respecter le règlement intérieur. Ça, c'est une décision. Mais comment on saura que vraiment j'ai décidé de respecter le règlement intérieur? Il va falloir que je pose des actes. Et c'est très important. Là, je dois agir. J'agis en faisant quoi? En venant, par exemple, toujours à l'école à l'heure. Donc là, je suis en accord avec ma décision. Si vous décidez, vous n'agissez pas, ça n'a pas de sens. Ensuite, en sensibilisant mes camarades sur la propriété de ma classe, sur la propriété de l'établissement. C'est également
un acte que je pose pour être en harmonie avec ma première décision qui est le respect du règlement intérieur. Parce que dans le règlement intérieur, il est écrit que les élèves doivent entretenir leur cadre de vie, qui est la classe ou l'établissement. J'ai aussi pris une action, autrement dit, j'ai aussi posé une autre action, la troisième, toujours conformément au respect du règlement intérieur. Là, c'est une initiative que vous aussi, vous pouvez prendre en formant une équipe de veille au respect des principes de la démocratie dans mon école. Là, je décide de faire respecter le règlement intérieur et pour le traduire, je forme un petit groupe et on va essayer. C'est comme, comment on les appelle, ceux qui sont les garants de la Constitution, par exemple. La Cour constitutionnelle, même, voilà, excusez-moi le petit terme, mais entre griffes, on est là pour essayer maintenant, avec cette équipe-là, de veiller au respect du règlement intérieur. Si quelqu'un ne le respecte pas, on l'appelle, on l'interpelle et on le ramène à l'ordre. Et vous verrez que dans l'établissement, il y aura la convivialité. Une autre décision que moi, j'ai prise. Vous aussi, vous devez prendre vos décisions. Et ça sera un exercice que vous allez faire et on verra pour la prochaine. Ma deuxième décision, mettre en pratique les principes de la démocratie. J'ai pris cette décision. Comment sauront que vraiment je suis en train de mettre en pratique les principes de la démocratie? Nous allons le voir dans l'acte là que je vais poser. En ce moment, je participe à l'élection des membres du comité de ma classe. Donc, ici, quand on dit qu'il faut élire le major de classe, soit je peux décider d'être major. Je dépose ma candidature. Et là, moi aussi, j'apprends comme ça comment fonctionne le mécanisme de l'élection. Et c'est depuis l'école qu'on l'apprend. Et dans la vie, lorsqu'on deviendra grand maintenant, c'est facile de faire les choses. Une autre décision, dénoncer les injustices à l'école. L'acte que je dois poser pour respecter cette décision, pour que cette décision-là soit accomplie, c'est que je mets en place un conseil d'écoute des victimes de cas d'injustice dans mon établissement. Vous voyez là-haut, le SEM nous amène. Donc vraiment, le SEM, c'est important pour tout le monde. Et je vois que si nous tous, si tous les Togolais mettaient en œuvre ces recommandations, vous verrez que nous allons prospérer merveilleusement bien. Maintenant, nous allons aborder un peu, avant de terminer, un exercice d'application, histoire de voir si vous avez bien assimilé ce qu'on vient de dire plus haut. La question numéro 1 que je m'en vais vous poser, je vous lis la question, montre avec deux exemples concrets qu'il y a la démocratie à l'école. Montre avec deux exemples concrets qu'il y a la démocratie à l'école. La deuxième question, cite avec exemple à l'appui, les types de personnel qu'on trouve dans un établissement scolaire. Cite avec exemple à l'appui, les types de personnel qu'on trouve dans un établissement scolaire. Et une troisième question, quelles sont les attributions du surveillant général? Vous-même, vous pouvez ajouter pour le proviseur, pour le censeur, etc., l'histoire de vous exercer. Je vous propose la réponse à la première question où on vous demande de montrer qu'il y a la démocratie à l'école à travers certains principes. Donc, voilà ma réponse que moi je vous propose. Égalité de tous les élèves devant la loi, la liberté d'expression,
L'élection des membres de comités de classe sont des exemples concrets qui montrent que la démocratie s'applique à l'école. Vous aussi, vous pouvez citer d'autres exemples. Vous n'êtes pas obligé de dire exactement ce que moi j'ai mis ici. À la question numéro 2, on vous demande de distinguer les types de personnel. Et donc, la réponse ici nous dit ceci. Dans un établissement scolaire, on a deux points à la ligne tiret, pour ceux qui nous suivent sur les radios. Le personnel administratif, exemple, il faut toujours illustrer vos réponses par des exemples si vous en avez. Nous avons le proviseur, le directeur, le censeur, le surveillant général, etc. Le personnel enseignant, là, tout le monde sait déjà les exemples qu'il faut énumérer. Professeur de CM, d'histoire, géo, de maths, etc. La réponse à la question numéro 3, où on nous demande de donner le rôle joué par le surveillant, autrement dit, ses attributions. Le surveillant général a pour attribution, a pour rôle, le maintien de l'ordre et la discipline. Le maintien de l'ordre, la discipline, la propreté dans l'établissement. Il contrôle également les entrées et les sorties des élèves, quand bien même il y a le censeur aussi qui le fait. Et pour finir, j'ai un exercice d'approfondissement que j'aimerais vous proposer. Et chers élèves, je vous prie, sincèrement, il faut les traiter. Traitez-les, exercez-vous, montrez ça à vos grands frères, ils vont vous aider à répondre aisément. La première question. Notez bien les questions. Je vais lire posément et vous allez pouvoir noter sans ambiguïté. La question numéro 1. Qui est le premier responsable dans un établissement scolaire? Qui est le premier responsable dans un établissement scolaire? Quels sont ses attributions? Quelles sont ses attributions? De quel département ministériel dépend-il? De quel département ministériel dépend-il? La question numéro 2. L'école est-elle un lieu d'acquisition des bases de la démocratie? L'école est-elle un lieu d'acquisition des bases de la démocratie? Justifie la réponse. Une troisième question. Comment comptes-tu asseoir la démocratie dans ton école? Comment comptes-tu asseoir la démocratie dans ton école? Vous pouvez étendre la question et aller jusqu'au niveau de l'État. Eh bien, chers élèves, merci pour votre aimable attention. Nous sommes à la fin de cette petite révision. J'espère que vous avez encore appris beaucoup de choses. Et je m'en vais vous donner un petit conseil, puisque vous êtes en classe d'examen, et c'est très important, ça va vous aider. Quand on est en classe d'examen, l'examen se prépare dès le premier jour. L'examen se prépare dès le premier jour. Et là, l'élève qui est soucieux de sa réussite doit suivre. Et quand vous les voyez, nous, les professeurs, nous les reconnaissons, ils sont attentifs. Ils respectent tout ce que nous leur disons. Mais par contre, il y en a qui sont distraits. Et quand vous êtes distrait, ça se fait voir inévitablement lors des compositions, lors des devoirs. Et peut-être, si vous ne savez pas faire, ça va vous suivre à l'examen. Donc, mon conseil pour toi qui ne respecte pas les consignes ou les conseils des professeurs, je te demande de reprendre ton cahier et de commencer par relire. Si tu ne comprends pas, demande à ton camarade de t'expliquer. Cherchez les anciennes épreuves et commencez par vous exercer. Ce n'est pas l'occasion de jouer au foot. Non, nous ne sommes pas encore
en vacances. Maintenant, autre chose que je dois encore vous donner, qui va vous aider, c'est quoi? C'est que lorsque vous voulez aborder un sujet de SEM, prenez votre temps, lisez, parce que celui-là qui a composé l'épreuve a réfléchi d'abord avant de la composer. Donc, vous aussi réfléchissez avant d'aborder les questions. La meilleure, c'est de répondre dans l'ordre de la question numéro 1 à la dernière. En quoi faisant, quand vous terminez la question numéro 1, laissez de lignes avant d'aborder la question numéro 2. Comme ça, le correcteur est à l'aise. La copie a erré et ça fait que le correcteur a envie de corriger ta copie. Mais si c'est saturé avec des ratures, non, vous diminuez, sans le savoir, votre chance de réussite. Donc, chers élèves, voilà un peu ce que j'aimerais vous dire. Je vous dis encore une fois, merci pour votre attention et qu'à la prochaine, qu'on se revoie si Dieu le veut. Chers élèves, vous avez vu tout à l'heure les exercices qu'on vous a donnés. Ça montre que l'objectif premier de l'enseignement de l'éducation civique et morale, c'est la mise en œuvre quotidienne dans nos comportements de l'enseignement reçu. On ne reçoit pas les enseignements de l'ECM pour avoir seulement les points, mais on reçoit les enseignements pour changer son attitude, sa manière de voir, sa manière d'agir, pour pouvoir contribuer au développement, non seulement de sa famille, de son établissement, mais de tout son pays. Donc, apprendre ECM, c'est contribuer au développement de son pays. Et je vous invite à vous donner, à suivre bien ECM. Surtout aussi les classes d'examen de la classe de terminale, surtout les élèves de la classe de terminale. Je vous invite à suivre l'enseignement de ECM. C'est important pour vous. Merci.